Le composite, c'est de la résine et un renfort dans lequel on va mettre un accélérateur, un durcisseur, qui va polymériser la résine, donc qui va figer la résine. C'est un peu comme du béton avec des tiges de métal. Ici, on a une résine avec des renforts synthétiques qui peuvent être de la fibre de verre ou alors du Kevlar, du nylon, fibre textile, ce qui va donner la rigidité à la résine. Donc avec de ce principe-là, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de limite. Et donc je pense que ça peut vraiment être un domaine qui peut être vraiment exploitable pour des gens qui ne sont pas spécialement industrialisation, mais plutôt des domaines un peu annexes. Or, dans l'aéronautique, le composite est utilisé plutôt dans l'aéronautique, dans les transports, dans la construction. C'est là où on va pouvoir remplacer en fait des matériaux conventionnels tels que le métal, le béton, des matériaux lourds et on va pouvoir les remplacer par des matériaux plus légers, peut-être même avec des meilleures caractéristiques techniques,